Pluvia Sauvé de la ferme Pradène à Melesse, au nord de Rennes. Donc on est sur un système naisseur-engraisseur en porc bio, 40 truies et leur suite, et puis 20 mères allaitantes, et un peu de culture alimentation humaine, colza, orge de brasserie et blé meunier. On est sur des sols plutôt argilo-limoneux, voire limono-argileux, enfin ça dépend des endroits. On est le 22 avril, et donc là on va casser les prairies pour préparer les maïs. Pour ce faire, on utilise un DynaDrive que la CUMA de Melesse vient d'acquérir cette année. Le principe du DynaDrive, du coup, c'est que vous avez deux lignes de bêches à suivre. En fait, le premier rouleau va planter dans le sol et lever une première partie des plisses. Et le deuxième tourne 3 ou 4 fois plus vite. Le deuxième rouleau va avoir cet effet-là de plutôt projeter la terre. On est plutôt sur un sol qui est encore frais mais pas trop dur, ce qui est très bien parce que du coup, l'engin rentre bien dans la terre. Sur une vieille prairie comme ça de 5 ans, c'était une prairie de fauche. On a eu beaucoup de passages d'engins et puis comme je disais, c'est des sols assez sensibles à la battance. On retrouve vraiment des traces de roues. Et du coup, le DynaDrive a du mal à travailler de la même façon partout, dès qu'il y a des creux de roues et tout. Chose qu'on ne voit pas quand on l'utilise sur des couverts végétaux ou des cultures annuelles. Mais là, sur un premier passage, l'idée, c'est vraiment d'aller dessoucher notre vieille prairie de 5-6 ans, là, pour la fragiliser, et après on va retravailler avec d'autres passages d'outils différents pour émietter et essayer d'affiner au maximum avant le passage du labour, quoi. J'aime bien le DynaDrive pour casser les prairies parce que c'est beaucoup plus rapide qu'un rota. En termes de vitesse d'avancement, sur un premier passage on va être à 10 à l'heure, et sur un deuxième passage par contre on peut aller jusqu'à 12. L'avantage de cette machine là c'est qu'il n'y a pas de prise de force. Déjà en termes de consommation et par rapport au tracteur, aux demandes de puissance, ça demande moins de puissance qu'un rota. Du coup on est sur un DynaDrive en 3 mètres ou 3 mètres 50 et on est avec un 170 chevaux. On est sur la parcelle de prairie après le passage de DynaDrive. Donc on voit qu'on a bien les racines de la prairie qui ont été déchaussées et qui sont maintenant exposées à la surface pour sécher. Et également toutes les racines des adventices. Le DynaDrive n'est pas un outil à disque, mais à bêche, ce qui permet d'éviter le bouturage des adventices, ce qui est aussi un avantage par rapport à d'autres outils. Et on peut aussi utiliser ce DynaDrive pour semer des couverts. Là, on a travaillé sur une dizaine de centimètres de profondeur, donc c'est assez superficiel. Par contre, un seul passage ne sera pas suffisant pour avoir un émiettement correct de la parcelle. Et donc, il faudra un deuxième passage de DynaDrive pour bien préparer le sol avant les semis de maïs.